Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes aux moments captivants des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous? Commencez. Julian Alaphilippe a montré de belles choses lors du Grand Prix de Montréal, mais face à la puissance de Tadej Pogačar, il a été difficile pour lui de suivre le rythme. Pogačar est réputé pour ses capacités exceptionnelles en montagne et dans les finales décisives, et il a encore une fois prouvé qu'il est un coureur redoutable. Alaphilippe, malgré ses talents indéniables, n'a pas pu répondre à l'attaque du Slovène et a terminé à une belle troisième place. C'est toujours un défi de rivaliser avec des coureurs de la stature de Pogačar, mais Alaphilippe a montré qu'il est toujours un concurrent de premier plan. Effectivement, Julian Alaphilippe a montré qu'il était en forme lors du Grand Prix de Montréal. Mais le Grand Prix de Québec a été une autre histoire. Bien qu'il ait tenté de réagir à l'attaque de Matteo Jorgensen dans les derniers kilomètres, il n'a pas réussi à suivre le rythme. Cette difficulté a eu des conséquences importantes sur sa performance, et il a fini loin derrière, à la 81e place, à presque 2 minutes du vainqueur. Cela peut arriver dans le cyclisme, où les variations de forme et les facteurs de course peuvent avoir un impact considérable. Malgré cette contre-performance, Alaphilippe reste un coureur très talentueux, et il aura d'autres occasions de briller. Absolument, la performance de Julian Alaphilippe au Grand Prix de Montréal a été particulièrement encourageante après sa déception au Grand Prix de Québec. Terminer troisième derrière des coureurs de la trempe de Tadej Pogačar et Pello Bilbao montre qu'il est en excellente forme et qu'il reste très compétitif au plus haut niveau. À l'arrivée, Alaphilippe a reconnu sans réserve la supériorité de Pogačar, ce qui témoigne de son esprit sportif et de son respect pour les compétences de ses adversaires. C'est aussi un signe de sa propre confiance et de son professionnalisme, car accepter une défaite face à des coureurs aussi talentueux est une marque de maturité dans le sport. Sa performance au Grand Prix de Montréal confirme qu'il est toujours un prétendant sérieux dans les courses importantes et qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Julian Alaphilippe a bien résumé sa course au Grand Prix de Montréal avec ces mots. Il a souligné les difficultés de la journée, accentuées par la chaleur, et a expliqué la stratégie de son équipe. La présence de Gilles Gelder en échappée était une partie clé de leur plan, tandis que lui et Ilan Van Wilder devaient gérer leur position dans le peloton. Alaphilippe a reconnu que suivre le rythme imposé par les coureurs de l'équipe UAE, en particulier Tadej Pogačar, était une tâche ardue. Malgré ses efforts, il a trouvé difficile de suivre le Slovène, mais il s'est reconcentré pour finir à une honorable troisième place, ce qui est un exploit notable pour lui sur ce parcours. Sa réaction montre à la fois son esprit de compétition et sa capacité à tirer le meilleur parti de ses performances, même dans des circonstances difficiles. C'est aussi un témoignage de son adaptabilité et de sa détermination, des qualités qui l'ont toujours distingué en tant que cycliste de haut niveau. Julian Alaphilippe aborde les championnats du monde de Zurich avec une motivation affirmée, malgré la présence dominante de Tadej Pogačar, qui se positionne comme un grand prétendant pour le titre. Alaphilippe a exprimé son enthousiasme pour l'événement et son désir de représenter l'équipe de France de manière significative. Il a mentionné que même s'il attend encore sa sélection officielle, il est déjà focalisé sur l'objectif et se réjouit de ses sensations actuelles. Cette confiance et cette motivation sont des éléments cruciaux pour sa préparation, surtout lorsqu'il s'agit de courses aussi prestigieuses que les mondiaux. Son état d'esprit positif et sa forme récente sont des signes encourageants pour ses chances lors des championnats du monde. Avec sa détermination et son expérience, il est bien positionné pour faire une forte impression à Zurich, en espérant que l'équipe de France puisse briller sur la scène mondiale. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé !